Non, je ne vais pas rester dans le parc, c'est les forces d'habitude. Après la route de passer, c'est. Techniquement, c'est la voie partagée. Avec assez peu de trafic. Et normalement, l'année prochaine, ça va être requalifié dans le cadre du rêve. Alors, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Pour spécialiser plus les restrictions d'usage. Ce qui a toujours manqué ici, c'est le jalonnement, comme beaucoup d'itinéraires. On peut dire merci au pont Lago, qui a enfin, les deux feux de voie qu'ils ont créés il y a quoi, 10 ans, c'est peut-être un peu trop. Voilà. Donc, il y a 10 ans, les travaux étaient déjà en cours. Je ne sais pas si c'était déjà livré. Parce qu'ici il y a 8 voies en tout pour entrer dans Rennes. À ce niveau, elles ont déjà été départagées. Ah, je triche. Il y a 4 voies pour entrer et sortir de Rennes et 4 voies pour s'engager et sortir de la rocade. J'ai un petit peu. Joli. Et le rêve va passer par là. Et je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Parce que ça me paraît bizarre. Du temps, tu pouvais le mettre plus tôt. Même si je m'en doutais quand tu as commencé à ralentir. Donc c'est pas. Pas des routes top top pour les enfants, mais il n'y a pas énormément de trafic. Mais disons que pour un ado expérimenté, c'est faisable. Mais bon, j'aimerais savoir s'ils vont faire une bidire sur le côté, s'ils vont mettre
des restrictions pour les véhicules motorisés sur certaines portions. Comme techniquement à la fin, Arras, il n'y a vraiment pas grand monde. Non pas qu'ici, il y a vraiment beaucoup de monde. Hein. Mais bon, il suffit d'un qui fonce. C'est vraiment... De toute façon ici ça sera jamais AAA, rien que pour les pentes, pour le critère âge, pour les enfants de moins de 8 ans. Ou qui ont que 3 vitesses, c'est... Enfin, c'est pas non plus la longue distance, donc j'exagère peut-être. Notre itinéraire, c'est sur la route de Vezin qui a été aménagée. Mais après, c'est pour aller à passer que c'est plus problématique. Et en fait, passer, c'est vraiment très proche de Rennes. Mais si on connaît pas, c'est chaud. Couple éco qui survivent en bordure, ce qui montre que c'est hyper traité. Alors ici, cette portion, il y aura techniquement la place pour avoir une bidire. On va voir ce qu'ils vont faire. Ce qui m'étonnerait, ce qui ne m'étonnerait pas, ce serait bidire sur cette portion. Et après, voie partagée avec très très peu de trafic jusqu'au tunnel sous la rocade. Et a priori, le rêve, ils vont le faire passer plus en nord que l'accès actuel à passer. Le tracteur d'aujourd'hui roule vite, hein. C'est pas le tracteur de mon grand-père. La vitesse max est facilement 3 fois plus haute. Vitesse max autorisée. Hein. Il y en a qui peuvent aller plus vite que leur vitesse max autorisée. Je sais pas s'il est rentré dans un champ. Non, il est là. C'est vrai que c'est qu'il roule assez vite avec une visibilité qui n'est pas top. Donc ici, les 4 voies de la rocade rejoignent les 4 voies vers Rennes. 2 et vers. Il y a temporairement 8 voies. Puis 6, puis 4. Encore un peu de coquelicot. Thank you.
Et ici, le cheminement a toujours été très minimaliste. En gros, c'est un loco de temps en temps. Mais bon, ils ont amélioré le tunnel sous la rocade, déjà. Qui est beaucoup plus long que celui du Bricchini. Parce qu'il y a temporairement plus de voies. L'avantage, c'est que c'est le retour qui est plus facile. Selon ce que l'on se considère comme étant le point d'origine et le point d'arrivée. Je tricherais bien à me rouler à gauche, mais bon. On captera le bruit à la caméra, mais c'est un bruit agréable. C'est des insectes dans le champ. Malheureusement, je pense que le bruit de la gauche est bah, masqué. On est quasiment arrivé. Autrefois, il y avait une autre route qui partait à gauche, tout droit un peu à gauche. Depuis longtemps. Tiens, ils ont rehaussé le talus à nouveau. Il reste encore un petit peu de reste de goudron derrière, mais on voit pas d'ici. Mais... ça fait du bien. Thank you.
c'est fait par le deuxième croisement, enfin c'est un grand mot. C'est une piste, c'est pas un croisement. C'est marrant, on aurait dit Lilou. Mais c'est pas elle. La deuxième intersection, mais la voiture c'est l'arrêt, c'est l'axe actuel pour aller à passer à vélo. Effectivement, on peut continuer, hein. Et se rebrancher plus loin. Voilà, il y a ici double parallèle qui est un peu plus roulant, mais c'est pas ici que va passer le rêve pour aller là. Bref, ils ont prévu de remonter plus loin et d'arriver dans les nouveaux quartiers entre guillemets. Dans l'autre sens, bah, c'est la même chose sous le cagnard. Dans ce sens-là, vous allez voir pourquoi je dis qu'il y a peu de trafic en théorie et en pratique aussi. C'est à cause de ce petit panneau qui, avec le temps, a tourné bizarrement. Il a été nettoyé il y a pas longtemps, on dirait. Donc ici, le gros défaut, c'est qu'il n'y ait pas une haie à droite. S'il y avait une haie de part et d'autre, ça serait beaucoup mieux au niveau ombrage et les petites buses qui planent. Un peu de coquelicot, un peu de fougère. La plus vieille plante sur la planète. On part du principe que le lichen n'est pas une plante, bien sûr. Voilà. Donc, on verra un peu le goudron. En ce sens-là, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on a l'ombre. L'ombre salvatrice. Et aussi parce que ça descend quasiment tout du long. Donc ici, on a 8 voies régulièrement engorgées. Alors, techniquement, ils auraient de quoi faire une bidire, mais... Oui, aussi bien faire un chaussis doux, ce qui pour une fois ne serait pas déconnant. Il y a beaucoup de chaussis doux qui sont construits mis en place sur des axes qui sont beaucoup trop fréquentés. Et un chaussis doux, ça ne se met que si le volume de véhicules motorisés est suffisamment faible. Donc toujours le premier problème, hein, c'est le jalonnement. Pour une voiture, tu vas avoir des panneaux à chaque fois, des rappels. Si tu es déplanté, il y a des échangeurs où tu as une deuxième sortie.
te rattraper. Bon, pour un échangeur, les panneaux ils te rappellent 4 fois de suite. Est-ce que t'es sûr de vouloir aller dans Rennes? Est-ce que t'es sûr de vouloir aller sur la rocade? Et par contre, pour les itinéraires cyclables, généralement c'est souvent le parent faible, le parent pauvre. Alors pour les assister à droite, c'est ceinture à bretelles, hein. Les panneaux répéteurs. On leur dit 10 fois de suite qu'il faut pas aller en sens interdit. Quand tu prends là, quand tu t'insères. Voilà. Et il paraît que c'est nous les assistés qui demanderons des protections. Alors qu'eux ils ont des rambardes, un terre-plein central, des panneaux répétitifs pour dire t'es vraiment très fin de connerie à remonter l'autoroute. Enfin l'autoroute, la voie rapide à contresens. Donc j'attends de voir ce qu'ils feront. En idéal, ça serait bien d'avoir une bidire, mais. La chose si tout peut éventuellement faire l'affaire, mais je serais un peu déçu. Et c'est surtout le jalonnement. Puis même, quand t'arrives à Villejean, il va aussi je le demande de ce côté-là. Déjà, c'est bien que la mairie de Fossé soit demandeuse. J'ai l'impression de sécher sur pattes. L'avantage du vélo, c'est qu'on a toujours de l'air dès qu'on bouge. On peut rouler à 30 en pleine canicule sans trop de soucis. Il ne faut pas s'arrêter, quoi. Il faut boire régulièrement avant d'avoir soif. Et privilégier les axes qui sont à l'ombre. Alors que paradoxalement, en hiver, une fois tous les 2-3 ans, on préfère des axes en plein soleil pour le jour où il y a un peu de verglas. C'est que la Diro a fini par voir la lumière parce qu'il y a 10-15 ans ils avaient engagé les études après les gros budgets pour rajouter 4 voies ici pour venir et s'insérer sur la rocade et ils ont fini par tilter que ça ne servait à rien, ça faisait juste un appel d'air et que c'était toujours plus congestionné qu'avant et maintenant ils font des trucs plus légers. Il prévoit de faire un. Bon, techniquement, c'est encore une voie supplémentaire, mais entre 2 sur 800 mètres uniquement. Ici, côté nord, et côté sud, au niveau de là, entre la porte de Bruquigny et la porte de Nantes. Même si je ne suis pas persuadé que. Ça va pas empirer les choses. Bien que l'air chauffe sur le goudron
Je sais pas si ça rendra à la caméra. J'en doute. Peut-être si je filmais en 4K. Toujours le jalonnement. Ouais, c'est un petit panneau minuscule avec un logo vélo. Techniquement, il devrait être aussi gros que ceux pour les voitures et avec une destination et une distance. Quand même deux informations pertinentes. Par exemple, là, c'est le jalonnement vélo existe, mais il est tout petit. Et mal placé. Normalement, il devrait être en face. C'est toujours le problème. Ombre salvatrice. Bonjour. Et donc, on va mettre le plus de voitures possible. Ici. Bon, tant qu'on n'est pas jusqu'au bout de clé, techniquement, il y aura des mecs qui vont franchir les panneaux impasse interdits, sauf livrer un vélo pour aller jusqu'au bout. Voilà, ici, pour de vrai. Donc là, c'est le parc de Villejean qui est de l'autre côté de la rocade par rapport au quartier de Villejean. Là, c'est pareil, toujours le jalonnement, toujours insuffisant. Et s'il fait frais, ça fait du bien. De temps en temps, il y a des trucs qui crament.